Bonjour à tous les membres de casting.fr. Nous avons la chance d'être sur la scène. Nous avons la d'être sur la scène du théâtre du Temple avec Rachid Badouri. Bonjour Donc. Ingrid. Bonjour. La Maya. Comment on dit Emala, emala, Et, 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 de... okay, voilà. Et ça va, <laughs> va ça. ça va très bien, très bien. Donc on est ici à l'occasion de ton spectacle One oui. Man Show Rachid Badouri oui. toutes les semaines. Oui. Le jeudi, du jeudi au samedi à 20h. Oui, non, c'est 20h15. 20h15 oui. Au théâtre du théâtre Temple. Du Temple dans, lequel on, dans lequel on se trouve, on est sur la Le scène. Théâtre. oui. Alors, Rachid, vous êtes un artiste qui est québécois, fraîchement arrivé en France la seconde fois. Euh, oui, mon premier euh, parcours était en, au mois de janvier dernier. On était au théâtre du Trévise et ça avait très bien marché. On a décidé de revenir pour l'automne. Donc, euh, c'est cool. Wow. Alors, vous êtes très connu. Au Québec, votre spectacle connaît aussi un succès important en France. Euh, souvent, dans votre spectacle, vous euh, vous mettez en lumière en fait les différences entre nos deux pays, les attitudes, les langages. Est-ce que vous avez dû adapter votre spectacle au public français Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que j'ai vraiment, lorsque j'ai su qu'on ouvrait la machine pour euh, les, les préparations, pour aller euh, préparatifs, pardon, pour aller Traversé en France, je me suis dit, quel travail je vais avoir, ça va être incroyable, il va falloir que je retape tout le. Et non. Parce que la première chose qu'on a fait, on est parti faire un spectacle en secret, comme ça, à Nantes, pendant le festival Juste pour rire de Nantes. Et on a demandé aux gens, on a fait une heure de mon spectacle, comme ça, on a demandé aux gens en sortant de remplir un petit, un petit formulaire dans lequel on leur disait Est-ce que vous avez tout compris s'il y avait quelque chose à changer ou s'il y avait quelque chose à rajouter. Et les gens répondaient à 95%, garde l'accent québécois le plus que tu peux, juste qu'on comprenne ce que tu dis, c'est tout. Donc, un français populaire. Et ne te... ne te... ne, 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 ne deviens pas trop français. Parce que ce qui nous attire, lorsqu'on entend qu'un québécois d'origine marocaine débarque en France, ben c'est ça qui nous attire. Si on va aller voir en français, on va aller voir en français, et c'est tout. Alors, euh, pour... pour euh, pour moi, de, de venir faire un spectacle ici, que je n'ai pas trop à changer, à part adapter quelques petits trucs. Tu sais, J'ai eu de l'aide, Arnaud Gidouin qui m'a aidé à adapter ça avec certains termes, certains trucs que les gens n'avaient pas compris. Mais pour le reste, tu fais que leur expliquer au début. Puis après, tu peux faire venir des running gags. ils ont tout compris. Quand je leur dis, ton chien est mort au Québec, ton chien est mort, ça veut dire que tu es foutu, mais c'est la faillite, tu cours. Tu te sauves. Et ici, je leur explique une fois. Après, je leur mets dans une situation extrêmement drôle parce que mon père a entendu ça pour la première fois. Et après, je reviens avec ce, ce gag. Ils se mettent à rire parce que, bon, c'est pas des cons. Là. Tu leur expliques ça une seconde, ils ont compris. Alors, c'est ça qu'on qu n'a pas compris, on n'a pas saisi au début. On s'est dit, on va arriver en France. On va dire, bonjour Paris, ça va. Oh putain, je suis contre de vous voir. Des barres de rire. Et puis, non, il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu arrives avec ton ton Langage à toi et ton et c'est ce qu'ils aiment voir. J'ai eu la chance de voir votre spectacle, euh, donc des personnages plus loufoques les uns que les autres. Et euh, vous êtes l'auteur de votre spectacle. Comment se sont venues vos idées en fait? En fait, on est trois qui a écrit le spectacle, moi à majorité. Euh, et comment les idées sont venues? C'est vraiment euh, en fait, on s'est assis avec les auteurs, puis m'ont dit de quoi tu veux parler, Rachid, avec ton premier spectacle. Dis, ben, j'aimerais que les gens qui sortent du spectacle pour, la, pour ce premier spectacle qui. qui, qui qui, euh, qui commence à connaître un peu plus ce qui est Rachid Badouri, d'où il vient, c'est quoi ses passions, ce qu'il aime. C'est important, c'est un, un peu une, un CV, c'est plus un, un, plus un, un résumé de, de qui tu es. Parce que tu peux avoir un premier spectacle sans même expliquer d'où tu viens ce que tu fais. Puis je pense que les gens vont. L'humour, c'est culturel, hein. les gens doivent sentir qui. Un, un, comment je pourrais dire, un sentiment d'appartenance à ce que tu dis, ils veulent, ils, veulent, ils veulent entrer dans ta vie, ils veulent savoir ce que tu fais pour en rire, parce qu'il n'y a pas plus drôle que l'autodérision. Et pour faire l'autodérision, mais tu dois parler un peu de ta vie, de ton passé, de ce que tu as fait. Alors c'est ça, les idées sont venues, en... j'ai écrit sur une feuille ce que j'aimerais parler, de quoi j'aimerais parler, dans mes jobs, parce que j'ai eu des jobs quand même assez uniques. J'étais animateur de réception de mariage. Je connais pas beaucoup de monde qui ont fait ça. Encore moins Stuart. J'ai été agent de bord pendant longtemps, donc euh, je devais absolument parler de, de ces jobs pour que parce qu'on parle souvent, j'entends souvent des sketches sur, sur en, en tant que passager. qu'est-ce qu'on qu qu vit en tant que passager Mais personne. On a parlé de, de la job de Stuart ou d'agent de bord, comment moi je le vois de l'autre côté de la médaille. Je parle de mon père, évidemment, je devais absolument parler de mon père. Mon père est un personnage en soi. C'est pas difficile d'écrire des blagues sur mon père. Euh, tu l'écoutes parler, tu prends des notes, tu le suis, fonce dans un arbre. Vas-y, vas-y. continue. Vas-y, glisse sur la peau de banane, c'est bon, ok, je vais écrire. Donc, euh, pas mal de trucs comme ça. Ouais. Mes passions, surtout le cinéma, la danse, la musique. C'est important de parler de Michael Jackson, qui a fait partie de ma vie euh, pendant très longtemps. Donc, euh, oui. Est-ce que c'est génial, donc, avec... Excuse-moi, là, elle a peur. Est-ce que tu sais que, que, tu sais que j'avais la Barbie Michael Jackson? Non, je ne savais pas que ça existait. <laughs> oui, mais elle, elle se le vendait euh, aux États-Unis, puis c'est euh, vendu, c'est elle vraiment, vraiment vendu, le stock, euh, comment on dit, liquidé. Euh, C'était des barbie Michael Jackson, puis tu pouvais l'habiller de différents euh, uniformes que Michael Jackson avait dans Smooth Criminal, dans Billie Jean, dans Thriller, dans que c'était vraiment quelque... avec le gain mettais... c'est n'importe quoi ouais c'était quelque chose tu te rappelles gars. Super show. Super show. <laughs> Alors on partage les épisodes de ta vie. Euh, je fais référence au Fresh and Cool, ouais. Gino Boys. Mais il y a aussi une part importante pour tes parents, comme tu l'as dit. Ouais. D'ailleurs, ce spectacle est dédié à tes parents, ouais. euh, à ta mère en particulier. Ouais. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un spectacle autobiographique oui. oui, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu ce que vous, vous appelez autobiographique. Moi, je l'appelle un résumé. C'est ce que tu envoies au au pôle emploi, ou ouais. euh, un CV, voilà, un résumé. Ouais. Euh, puis c'est ça, ça, ça tu, tu sors de là, tu sais exactement qui est Rachid, pas, pas en détail, détail, mais tu sais, tu comprends un peu par où il a passé, puis euh, oui, c'est ce que c'est. Je crois que c'est important de le faire dans, chaque, dans ton premier spectacle, en humour, je crois. et, euh, et Mais c'est très, très important de ne pas tomber dans ce qu'on appelle, nous, au Québec, dans le queten dans le... Dans le c'est bon, ben, je suis né, telle date, et puis là, tu euh, c'est Comme un résumé, aussi plate qu'un CV. Là. Tu, sais, tu lis, euh, je pense qu'il faut y aller en parsemant de, de, de trucs, de passer du coq à comme ça, mais que dans l'ensemble, on comprenne d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu fais, ce que tu aimes, et voilà, ce qui te fait vibrer. Alors, casting.fr réunit plus de 600 000 artistes qui, comme toi, en fait, rêvent d'entamer une carrière artistique. Euh, donc, tu as été animateur de mariage, Stewart. Est-ce que tu, peux nous, tu pourrais nous parler un peu de tes débuts Est-ce que tu as passé des castings mmh. En fait, j'ai lâché euh, Stuart en 2001, le 12 septembre, <laughs> parce qu'il n'y euh, avait pas de place pour moi et mes <laughs> origines euh, dans l'aviation. Euh, mais euh, je me suis retrouvé euh, gérant de département dans un magasin style, je ne sais pas si on peut dire des marques, mais d'artis, tu sais, un truc d'électronique. J'étais gérant de, du cinéma maison. Donc, je vendais des télés, des projecteurs, des, euh, des speakers des des baffes ça et, euh, et j'avais euh, euh, envoyé des cassettes euh, des DVD que j'avais fait moi-même j'avais copié moi-même et tout c'était un montage de sur le DVD se trouvait un montage de tout ce que je tout ce que j'ai fait dans mes l'animation de mes mariages que des imitations de Michael Jackson des et, et j'ai envoyé ça à toutes les maisons de production qui existent à Montréal euh, même à la météo. J'avais envoyé ça à la météo. Je leur ai dit, écoute, si je peux faire une blague en deux, en deux bulletins météo. Euh, et j'étais prêt à faire tout, sauf du porno. Je t'ai fait à, à, à faire tout pour, pour y arriver. Et un jour, euh, ceux, les seuls qui m'ont rappelé, c'était le festival Juste pour Rire. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute, on a bien aimé ton imitation de Michael Jackson, est-ce que tu un numéro de prêt Évidemment, euh, tu ne peux jamais répondre non. Alors j'ai menti, j'ai dit oui, oui, j'ai un numéro écoute, que j'ai fait à Boston, une connerie que j'ai raconté. Elle m'a dit ah, ok, ok, alors tu peux venir faire une audition c'est devant public. Alors, j'ai une audition de mon public. Ok, waouh, c'est moins gênant que devant trois personnes qui prennent des notes quand ils te regardent. Alors, j'ai dit, ouais, ouais, c'est parfait. Ils m'ont dit, ok, ben, tu peux amener des gens. Ce qu'ils n'avaient pas pensé, c'est que j'étais d'origine marocaine et que tous mes amis étaient des craqués d'origine libanaise, haïtienne, marocaine, algérienne, italienne, portugaise, arménienne. J'ai fait venir le, la ville au complet. Il y avait 200 places, je pense les 195, c'était mes amis. Il y avait cinq Québécois qui étaient gênés, qui étaient venus encourager un de leurs amis. Ils étaient tous... Euh... Alors, on a, je me suis dit, si je me casse la gueule, je me casse la gueule en grand. C'est ce qui est arrivé. J'ai fait une audition devant le public. Ça a très bien marché. J'avais concocté, j'avais une semaine pour euh, concocter un petit numéro dont je leur avais déjà menti. Je dit oui. Je ne pouvais plus reculer. J'avais écrit quelques petites blagues comme ça. Rien d'extraordinaire, de, mais de, un ramassis de qu ce que je faisais pour animer les mariages. Et euh, les sœurs Roson, qui sont les sœurs de Gilbert Roson, qui s'occupent du festival juste pour rire, de la production, m'ont demandé de les rencontrer le lendemain. Pour signer, c'était aussi vite que ça. Pour signer euh, mon contrat, pour faire partie du prestigieux gala du Festival Juste pour Rire. Alors de là est partie la machine. Là, après, ça a été une histoire de, de conte de fées. C'était euh, vraiment, j'ai été nommé révélation du Festival Juste pour Rire, euh, découverte de l'année dans un gala qui récompense les humoristes qui s'appelle les Oliviers. Après, j'ai été euh, un peu la, la coqueluche d'une un, campagne publicitaire pour la loterie. Alors là, je, je faisais le con vraiment, j'avais la carte blanche pour faire ce que je voulais dans cette loterie. Euh, tu ça... Ça as joué une émission aussi euh, de vidéos surprises C'est un peu un surprise-surprise renversé, là où je me déguise et on, 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 ça veut dire on, on piège l'entourage des artistes. L'entourage proche des artistes, c'est-à-dire le père de Garou, le, le, le frère de, de une Chanteuse, le ci, le ça. Et puis, c'est un peu la revanche de, de Surprise, Surprise. Et ça a très, très bien marché. Ça faisait des codes d'écoute énormes. Euh, on a dû arrêter à cause de, de cette opération de la France parce que ça prend beaucoup, du temps, ça prend beaucoup de temps à, à préparer les personnages, les déguisements, à concevoir les costumes, le maquillage. C'est énorme. C'est des prothèses et tout. Donc on a mis ça un peu sur euh, sur, sur stand by, puis, euh, puis voilà voilà y a eu, ça s'est très très bien passé depuis 2005 c'est ce que, ce que je vous parle l'audition devant le public ça c'était faite le 2 à, le 2 avril 2005 Et depuis là c'est parti tout jeune carrière ouais. est-ce que tu aurais des conseils à donner à tous ces artistes pour réussir comme toi justement mange bien euh, dors bien. Non. Euh, cinq, euh, cinq fruits et légumes. <laughs> T'es pas des alimentaires. C'est des conneries. ça voulait qu'on bouffe du... Euh, Il dit que le beurre d'arachide remplaçait les viandes. Rappelles de ça? Bon. Euh, quelle connerie. Euh, et puis voilà. Euh, moi, ce que je pourrais leur dire, je m'adresse à vous. Euh, la seule chose, c'est de laisser personne te dire non. À moins que tu essaies d'embrasser une fille et veut rien savoir, si elle te dit non, tu te casses okay. une claque tout de suite. Mais sinon, euh, si tu as un rêve, ne laisse personne te dire que tu ne peux pas y arriver. C'est sûr qu'au début, tu vas passer pour un fou ou une folle où les gens vont. On te trouvait bizarre, c'est normal. Mais des fois, on arrive. C'est le temps que ça prend entre traduire ce qu'il y a dans ta tête, parce que des fois, on a des visions. Les artistes sont comme ça. Ils ont des visions. Ils savent ce qui va arriver dans. Ils savent que ça va réussir dans cinq ans. Ils sont Ils ont jamais été aussi convaincus. Ils peuvent être, peuvent être pauvres, en train de galérer. Et ils ont le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'ils savent. Ils le savent que ça va défoncer. Et ça, il faut que personne l'enlève parce que si on t'enlève ça. Tu peux être l'homme ou la femme le plus talentueux ou talentueuse au monde, le plus grand auteur au monde, le plus grand performeur, ça ne va rien changer. Si tu as enlevé cette, euh, cette volonté, ce rêve que tu as, parce que ça commence avec un rêve, ben là, ça ne ça fonctionnera plus. Donc, il ne faut jamais arrêter. Il ne faut jamais arrêter puis on sait jamais. Ça peut arriver à... Il faut comprendre qu'il faut pas avoir un temps. Quand on se met des temps, on est déçu. Si on se dit, moi, à 30 ans, il faut que ça marche, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille... Quand je pense à des, à, des, à des artistes comme Charles Aznavour qui ont commencé quand même assez tard dans leur carrière, des acteurs comme George Clooney qui n'étaient pas très connus, ils faisaient des sitcoms, c'est vraiment dans la quarantaine, cinquantaine qui a commencé à être connu. Il euh, y en a plein comme ça, il y en a plein des artistes comme ça dans, dans lesquels on peut, se, on peut se, se fier puis de dire bon, il ne faut pas penser à un âge, merde, je commence à perdre mes cheveux, qu'est-ce qui m'arrive je... Non, il faut vraiment y aller puis, 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 puis foncer jusqu'à ce que ça, ça décroche. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci Ingrid. Very much. <laughs> Alors moi, je te souhaite beaucoup de succès. Alors, je sais que tu as un gang. Un gang. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Un gang, un quoi je... Une gang Un gang une, une Un gang. Gang. Ah, une gang sur Facebook comment ouais. <laughs> la gang. La gang. La gang. ouais. La gang. La gang. La gang, ok. Ouais. Alors voilà, je voudrais juste te dire que tu as aussi un gang en France qui te suit aussi beaucoup. Oui. Tu sais comment je le sais je suis pourri avec ce truc de Facebook. Tout ce que je sais, c'est écrire et lire ce qui. Mais j'ai été dans un truc qui s'appelle Statistique. Quand tu as une page de fans, tu peux aller voir les statistiques et je peux voir de quel pays viennent tous mes fans. Et c'est réparti. Alors, il y a comme 222 000 fans qui like. Puis, dans les 222 000, je peux voir combien sont en France, combien sont au Maroc. J'ai même du monde jusqu'au Pérou, mon ami. Peut-être qu'ils se sont trompés, ils ont fait. <laughs> on ont pensé c'était Ricardo Baduro. Ricardo, Ricardo Baduro. puis ils se sont trompés. Mais bref, moi je je voudrais relancer la balle, l'ascenseur comme on dit. Oui. Veut dire que je fais beaucoup d'entrevues avec des, des jeunes journalistes et des fois ils regardent leurs questions et tout. Que te... Non non non, tu regardes pour te situer, mais tu, tu, tu regardes l'invité dans ses yeux, tu, tu poses des très bonnes questions. Et j'ai déjà entendu, je te jure, dans une interview, quelle est ta couleur préférée? Oh Dire que tu fais très bien ton job et c'est très bien. Merci. Merci. Bah écoute, c'était plutôt à moi de te dire ça. Mais attends, mais d'abord, c'est moi qui commence. Alors attends. Ce que je vais dire. Donc oui, non, vraiment, bon courage, beaucoup de succès pour l'avenir. Et puis le bouche à oreille marche beaucoup avec nous. Ça marche Ouais. C'est direct. Voilà. Merci beaucoup, Rachid. Oui, venez beaucoup. Je vous ai Fresh and cool. <laughs> 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 merci, merci bon? One take, one shot.